Vous connaissez la roulette russe? C'est un jeu assez idiot, où l'on n'a rien à gagner et tout à perdre. D'habitude, on joue à la roulette russe avec des balles, mais, avec le nucléaire, on joue beaucoup plus gros. Le programme nucléaire français a été décidé à huis clos au sommet de l'État et impulsé en coulisses par des ingénieurs du corps des mines. Ni les députés, ni les citoyens n'ont été consultés. Le nucléaire n'est pas compatible avec la démocratie. Changeons d'air, sortons du nucléaire. En France, le nucléaire représente environ 15% de la consommation d'énergie. En France, la décision de développer le nucléaire a été prise sans jamais consulter les citoyens. Pourquoi ? Le nucléaire permet la prolifération des armes atomiques. Développer le nucléaire civil a été la voie royale pour tous les pays qui voulaient se doter d'un arsenal nucléaire. Le nucléaire est polluant et dangereux pour la santé. Toutes les installations nucléaires rejettent en permanence de la radioactivité dans l'air et l'eau. Le nucléaire nuit à la santé des travailleurs du nucléaire et des populations riveraines. Depuis des décennies, le nucléaire est sous perfusion constante de financements publics astronomiques. Nous devrons bientôt payer les coûts cachés du nucléaire. La France importe 100% de son uranium. Notre pays importe de grandes quantités d'électricité en hiver et consomme plus de pétrole par habitant que la moyenne de nos voisins européens. Choisir un monde avec ou sans nucléaire, cela nous concerne tous. Nous avons tous besoin d'électricité, et nous subissons tous les impacts du système atomique. Construire un site nucléaire contre la volonté des populations riveraines, imposer une technologie polluante et dangereuse, n'est-ce pas inacceptable ? Nous devons avoir voix au chapitre. Le maintien de l'atome n'est pourtant pas une fatalité.